Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo qui concerne une petite question qui est récurrente dans mes mails que je peux recevoir. C'est que faire si mon chien ne m'obéit pas lors de l'absence de mon conjoint? Quand j'entends conjoint, c'est-à-dire la femme ou le mari. Souvent, ça, on va vous parler d'un problème de dominance, c'est-à-dire que le chien va avoir tendance à très bien obéir au mari, souvent c'est souvent comme ça qu'on porte. Donc il va obéir d'une parfaite façon, vous savez que le chien revient au rappel, il fait les ordres assis, debout, couché, il attend avant qu'on donne la gamelle, il ne saute pas, il est très calme, très posé, pas de soucis, tout va bien. Ok. Souvent, j'entends aussi, oui, mais par rapport à la femme, le chien, surtout s'il est mâle, va avoir tendance à dominer, blablabla, blablabla, blablabla. Faux. Déjà, le chien, il ne domine personne. Que vous soyez une femme ou un homme, votre chien, il ne va pas s'amuser à vous dominer. C'est... non. Ça n'existe pas. Voilà. Le problème, à mes yeux, c'est un problème de relationnel. Il faut vous poser la question de qui est-ce qui s'occupe du chien, qui le travaille, qui l'éduque, le plus souvent, depuis que vous l'avez, et lorsque le couple est réuni. Qui c'est qui travaille? Souvent, vous allez vous rendre compte que c'est la personne qui est absente. Donc, soit la femme, soit le mari. Tout simplement parce que déjà, si les deux personnes travaillaient le chien ensemble, souvent, l'un ou l'autre, peu importe, mais que les deux personnes travaillaient le chien de façon équitable à peu près, il n'y aurait pas ce souci-là. Il n'y aurait pas ce souci parce que la relation serait faite. C'est-à-dire que quand vous travaillez votre chien, surtout en méthode positive, etc., que ça devient vraiment une complicité qui se crée, un travail en duo, vous renforcez en fait la relation que vous avez avec votre chien. C'est-à-dire que si vous laissez votre conjoint travailler votre chien tout le temps, c'est sûr que quand il va être présent, le chien va obéir au doigt et à l'œil. Quand vous serez tout seul, votre chien, il va avoir perdu son repère et il va pas avoir cette relation qu'il a avec l'autre personne. C'est-à-dire qu'avec vous, il ne pratique pratiquement aucune activité, hormis peut-être, oui, des balades, vous moussez, vous faites des câlins. C'est une très bonne relation. Ce que j'entends, c'est une relation de travail. Donc, voilà. Comment régler ce problème? C'est tout simple. Quand vous vous retrouvez avec un chien, parce que voilà, souvent, on peut se partir pour une raison professionnelle, on peut s'en aller pour une durée à plus ou moins long terme, que ça soit un week-end ou pour les militaires, ça peut être 4 à 6 mois. Hein. On peut partir de son domicile et on laisse la personne gérer le chien. Donc déjà, soit vous vous prenez avant, vous y prenez avant, vous êtes au courant des choses et du coup vous vous mettez à travailler votre chien tous les deux, c'est-à-dire que quand vous avez le temps, hop, vous faites une petite séance d'éducation. La femme comme le mari, vous travaillez votre chien, vous allez l'emmener promener, vous faites tous les deux du rappel, vous faites tous les deux des ordres assis, debout, couché, enfin bref, tout ce qu'on peut faire en éducation de base, peu importe. Vous pouvez faire aussi des petits tours ludiques, comme on appelle ça, lui apprendre à faire le beau, à tourner, à donner la patte, à toucher une cible. Tout ceci va renforcer en fait la relation que vous avez avec votre chien, et du coup, lorsque la personne va devoir s'en aller, l'une ou l'autre, la deuxième personne du couple, va plus avoir ce problème. On peut le faire aussi avec les enfants. Bon, après, les enfants vont pas avoir forcément à gérer le chien tout seul, à part si c'est des adolescents, mais bon, c'est un autre débat. Voilà, donc, vous pouvez faire ça dès le départ, déjà, pour éviter ce problème. Deuxièmement, c'est, voilà, vous regardez cette vidéo, parce que, justement, vous vous retrouvez dans cette situation, donc, votre conjoint est parti, vous vous retrouvez avec un chien qui met le bazar à la maison, ou qui ne vous écoute pas forcément, vous avez peur de le lâcher parce que du coup il ne revient pas au rappel. C'est un petit peu compliqué à gérer, vous avez les enfants à gérer le plus souvent, vous avez votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Voilà, tout ceci va être très compliqué. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà votre chien, ça sert à rien de lui gueuler dessus, ça sert à rien de péter un câble, ça sert à rien de le lâcher aussi. Si votre chien revient pas au rappel, ce que je vous propose, c'est d'acheter une longe. Vous achetez une longe de 5 mètres, 10 mètres, et vous travaillez le rappel. Vous reprenez les bases depuis le début, vous-même, avec le chien. C'est-à-dire que vous allez recréer cette situation de confiance et cette relation ensemble. Donc vous allez travailler en méthode positive, bien entendu. C'est-à-dire que vous allez récompenser votre chien dès qu'il fait un pas vers vous. Déjà, vous allez récompenser ne serait-ce qu'un regard où vous appelez votre chien. Il réagit à vous, c'est bien, on peut récompenser. Là, je parle pour la base de la base. Un chien qui ne va en avoir rien à secouer, entre guillemets, de vous. C'est-à-dire que votre chien, il écoute que son maître. Et vous, lorsque vous l'appelez, le chien, il est... Vous vous reconnaissez peut-être. Voilà.
Si vous avez un chien qui est quand même un peu plus proche de vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement recommencer des petits exercices de base. Vous lui demandez un assis, c'est bien, on récompense. Coucher, c'est bien, on récompense. Du rappel, en longe, si vraiment il revient pas quand c'est vous qui le gérez. Parce que bien sûr, il faut prendre la notion de sécurité. Vous n'allez pas vous amuser à lâcher un chien dans la nature si vous savez qu'il ne revient pas avec vous. Ça, c'est hors de question. C'est dangereux pour tout le monde, pour le chien. Pour vous, vous pouvez vous attirer des problèmes s'il cause un accident ou même pour sa vie. Voilà, pour sa sécurité, ne serait-ce qu'à lui déjà. Donc voilà. Donc déjà, ça fait pas mal de petits exercices à travailler. Vous reprenez tout depuis le début. Vous pouvez faire aussi des petits tours ludiques avec lui. Et vous allez voir que la confiance va vite se recréer, le relationnel va être complètement différent, vous allez tout reprendre des bases. Votre chien, voilà, il va avoir envie de travailler avec vous après. Parce que vous allez le récompenser à chaque fois qu'il travaille avec vous, et du coup, ça va être the fiesta, ça va être génial de travailler avec ma maîtresse ou mon maître. Parce que de toute façon, voilà, mon autre maître n'est pas là, mais avec la deuxième personne, c'est tout aussi bien. On fait des balades, on fait des activités, on va courir, on va marcher, on fait des séances d'éducation, tout va bien. Et comme ça, vous aurez un chien qui est plus proche de vous, que vous pourrez gérer sans aucun souci. Et ben après, vous pourrez aborder les séparations avec un peu plus de tranquillité. Parce que oui, ça paraît complètement anodin, mais si j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce que ça n'était pas si anodin que ça pour les trois quarts des personnes que j'ai pu côtoyer. Donc voilà. Donc, ce que je peux vous encourager, on se refait un petit récap. Non, le chien ne vous domine pas. De deux, c'est un problème de relationnel. Donc, il va falloir le résoudre. Et pour résoudre un problème de relation, qu'est-ce qu'on fait? On travaille son chien, on récompense son chien, on encourage son chien à travailler et on va tout faire pour avoir une vie harmonieuse avec son chien. Voilà, donc c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire sous la vidéo et puis vous n'hésitez pas à partager ma vidéo aussi. De plus, si vous voulez des petits tutos pour ne serait-ce que pour le tourne, la marche en laisse, la marche au pied, le rappel, le rapport d'objet et toutes les petites vidéos que j'ai pu faire, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Il suffit de vous abonner, vous aurez accès à toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis soyez tranquille, si vous appliquez les conseils, tout va aller pour le mieux. Merci!